Hello, my love. Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis déjà réveillée maintenant. Venez, il y a affaire, il y a affairage. Aussi, il voit les commentaires, mais il ne voit même pas les commentaires. Hein. C'est pas normal. Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi coucou, je ne vous vois pas. Je ne vois pas de commentaires. Je ne vois pas de commentaires là. Attendez, je vais vérifier ici. Je ne vois pas. Ok, je viens de voir un commentaire. Gabriel, bonsoir, bonjour. Bon, je sais si ça dépend de l'heure fait. Il a dit, il y a affaire. Il y a une de notre collègue. Une de notre collègue blogueuse congolaise. Oh. Voilà affaire de... Ou quand on vous dit affaire de français, là, parler français, parfois, c'est bon. Ça fait du bien. Le français, ça aide. Hein? Andy Lova, tu es devenu. Laissez-moi comme ça, hein. J'ai dit, hein, laissez-moi comme ça. Mais vous voulez que les calais sur les perruques là pour aller. Mon cher, il fait chaud, j'ai libéré ma vie. Il y a l'une de notre collègue. En tout cas, on dit c'est une blogueuse. En tout cas, moi, je ne la connais pas dans mon Congo sala, dans mon Kakatoya, là, je ne la connais pas. Parce que et tous les trucs, là, c'est en Lingala. Donc, comment est-ce qu'on peut la connaître? C'est ça le problème. Tout ça en Lingala. Donc, là, on ne peut même pas la connaître. Même les blogueuses camerounaises, là, on les connaît. On la connaît parce que eux et nous, là, on est de même famille. Ils parlent, quand il y a Congo, ça, ils parlent en français. Mais les blogueuses congolaises, congolais, tellement qu'ils aiment, c'est-à-dire qu'ils aiment faire entre eux, en fait. Ils aiment faire entre eux. Donc, quand ils ont Congo, ça, comme cela, là, pour ne même pas que nous, les voisins d'à côté, on soit branchés un peu, là. Pour ne même pas que on va aller écouter et puis venir s'affairer là, tout ça en Lingala. Voilà, voici les retombées. Voici les retombées de la méchanceté. Si tu partageais ton Congo ça avec nous là, on allait t'aider. On allait t'aider si, franchement, si tu partageais ton Congo ça avec nous là, on allait t'aider. Hein? On allait t'aider. Mais tellement que vous aimez faire votre truc là entre vous, en ce fond, hein? Hein? En Lingala. Vous aimez faire en Lingala. Tu as vu les retombées, tant si moi je ne te connais pas, hein? Moi je ne te connais pas, mais quand tu es notre collègue, on dit à l'une de notre collègue qui est en prison. Donc c'est pour dire qu'après des plaintes là, ça devient sérieux. Donc chacun n'est qu'à savoir faire son Congo ça. Ou bien. Parce que j'ai appris qu'il y a notre collègue blogueuse qui est en prison dans l'histoire de Fali. Ah! Donc quand tu attends que tu apprends que ta collègue est en prison là, toi tu es dangereuse dans Congo ça là. Ah, Adam, parce que affaire de plaintes là, ça devient sérieux. Bah, depuis nous, on a assis ici, les gens ont porté plainte. Ils ont porté plainte. On dit, ah, depuis les gens me portent plainte, là, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. C'est comment? Et voici la Congolaise. En tout cas, moi, personnellement, je ne la connais pas. Oui, je ne la connais pas, mais je suis allée quand même cliquer. On dit, elle s'appelle comment même? Sarah Tola TV. Un truc comme cela, là. Sarah Tola. Donc, c'est comme ça que je la connais maintenant. Tous ces paroles aussi, c'est en Lingala. Quand tu ça là, comment on va t'aider? Tu vois là, tu vois les retombées de la méchanceté. Hein? Tu vois les retombées de la méchanceté.
Vous n'aimez pas partager. Ça là, si ton affaire était en français là, tu allais voir les blogueuses, ils vont pleuvoir sur la toile en train de te défendre. Tu allais voir tous les, tu sais que nous les Ivoiriens là, même si par là-bas c'est pas pour nous là, mais on est dedans. Tu allais voir les blogueuses même là, tous les Ivoiriens, les blogueuses, elles allaient prendre par là-bas pour charger sur leur tête. Même toi en Igala, donc on ne te connaît même pas. Comment on va te défendre? Hein? On ne te connaît même pas. Comment est-ce que on va défendre l'affaire là? Si on te connaissait là, les blogueurs là, ils prennent ton palabre là, tu vas voir. Peut-être, Falmi, il va retirer sa plainte. Mais vous aimez parler entre vous, voici les retombées. Voilà. Quand on vous dit que c'est passé tout le monde là, on fait Congo ça. Aujourd'hui là, moi j'ai dit je préfère mes deux abonnés là. Hein. Mes deux abonnés, actuellement je suis à 87. Quand je finis de faire mon affirage là, j'ai même maillé mon riz à sauce graine. Pendant que nous on est en train de manger riz à sauce graine, attends, toi tu es derrière les fers là-bas. Hein? Derrière les fers là-bas, tes collègues qui t'encourageaient là. À cause de ça, parfois je dis quand je suis en direct là, n'écrivez pas nom des gens sur mon direct. Je vous ai toujours dit, parce que j'aime pas les histoires, je préfère manger ma sauce graine dans la liberté. Hein? Maintenant il y a trois, quand je fais publication là, arrêtez de la provocation. Hein? Je fais une publication. Vous avez commencé à faire les lourds commentaires. Après, vous allez dire que oui, c'est moi. J'ai fait juste appréciation. Apprécier quelqu'un, ce n'est pas une critique. Mais c'est vous là qui mettez le nom des gens. Et puis les gens pensent qu'on est en train de les insulter. Moi, je n'aime pas parler. Comme vous me voyez comme cela, là, je n'aime pas parler. J'aime la liberté totale. J'aime la tranquillité. Voici une blogueuse là-bas à cause des vues. Elle a regardé les vues là jusqu'à ses abonnés là. Ezana Fallé na yote, Ezana Miki Ménage na enceinte, et puis Ezana parti, et puis Ezana revenu. On est resté dans Ezana jusqu'à émission les terminée. Je suis pas. Pardonnez-moi, je vous ai dit quand je parle ici, vous m'avez une fois en train d'insulter quelqu'un. Vous m'avez une fois vu en train de parler d'affaires qui ne me regardent pas. Jamais. Vous me connaissez. Vous m'avez une fois vu en train de faire Congo ça dans affaires qui ne me regardent pas. Moi, ma bouche là connaît sa limite. Moi, ma bouche là, ça connaît sa limite. C'est pour cela que parfois, quand je suis en direct et puis vous commencez les longs commentaires, les lourds commentaires, je vous dis que évitez d'écrire nom des gens dans mon publication. Parce que parfois, après des commentaires là, ils vont dire, c'est toi qui as parlé, et puis les gens sont venus m'insulter. Évitons les histoires vivantes. Donc, la tante là, attendez, je vais la chercher même. Je vais la chercher. On dit, elle s'appelle Sarah. Hein? Je vais chercher la Sarah là. Je vais la chercher. On ne la connaît pas. On va vous montrer sa photo. Voilà. Elle s'appelle Sarah Tola. Mm-hmm. Et voilà. Donc, actuellement, là, je vais chercher sa photo. C'est où même? Je ne suis pas... pardonnez. Évitons les histoires. De moi, j'aime pas les histoires. Hein? Je vais vous la montrer, sa photo. Elle est là. Il y a quel problème de connexion ici? Attendez la connexion en train de chercher. C'est que si j'ai partagé, mais je vais trouver. La connexion, ça cherche. Voilà. Donc, vous qui ne la connaissez pas, attendez. Hein. En tout cas, la tante, elle est zo. Ça y est, où même? Il vient. Elle s'appelle. Attendez. J'arrive. Et puis c'est une tante journaliste. Ah, il est journaliste aussi. Attendez, j'ai trouvé. Voilà. Je vais vous la montrer, d'accord. On dit savoir faire Congo ça, là, c'est bon. Elle est où? F-
faisons pas les moins de Congo ça. Attendez, hein. La voici ici, vous qui ne la connaissez pas. Elle s'appelle Sarah Tola. Voilà, donc vous qui ne la connaissez pas, c'est une blogueuse, une journaliste congolaise. Ah, ok, d'accord. Mais vous pouvez la connaître parce que vous êtes partout. Voilà. Donc, on dit la tante là. Elle a pris histoire de Fally et puis son ex-femme qu'on appelle... elle a pris histoire de Fally. Et puis, Mickey Mayonnaise là, elle a chargé sur sa tête. Donc, elle insultait l'autre là. Comment elle s'appelle? Nana Ketchup. Elle s'est mise aux côtés de Mickey Mayonnaise pour inciter Nana Ketchup avec Fally et puis ses enfants. Adama a fait, on dit c'est lourd. Parce que si on a pris tant là jusqu'en prison là, c'est que vraiment elle a fait fort. Elle a fait fort. Donc de façon qu'elle a chargé le dossier là. Elle a chargé le dossier de Fally. Et puis Nana Mayonnaise, comment on s'appelle? Ketchup. Fally n'a pas aimé. Ah, il dit il y a les gens, et puis il y a les uns, il y a les autres. On dit Congo ça des stars, il ne faut pas trop parler dedans. Hein? Il ne faut pas trop parler dedans. Donc, comme. Même pas Congo ça, même ça me dépasse. Donc, comme Mickey Mayonnaise, elle a pris dossier là. Attendez, il y a mis sauce au feu. Ça te paraît sauce graine, j'arrive. Attends, on peut être affaire comme ça. Me dépasse ici. C'est les femmes comme cela, là, les maris mettent leurs bagages dehors. Quelqu'un qui attend de préparer, tu fais direct. Adama, on peut faire ça, mon cher. Donc voilà. C'est-à-dire qu'elle a chargé le dossier là. Adama. Elle a lavé Fally, ses enfants, jusqu'à presser cette escule là. Adama, on peut transformer la vie de quelqu'un. Elle a chargé le dossier là comme cela. Hein? Il paraît que même là, elle va dire affaire comme même. Que la fille lui a donné iPhone 12. Et puis l'argent. Donc elle-même là, elle s'est oubliée elle-même. Elle s'est oubliée, elle a oublié elle, son mari, ses enfants. Elle s'est oubliée, elle est concentrée maintenant sur Fally et puis sa, comment on appelle? Maman Mayonnaise. Elle a chargé le dossier là. Et il dit, quand elle les a lavés, elle a fait ça propre. J'ai dit, quand elle les a lavés là, ça veut dire que quand Fally a mangé frites et puis mayonnaise là, il était bien rassasié. Il dit, ok, comme tu as fini de faire frites avec ketchup pour me donner là, c'est que tu vas aller en prison là-bas ou tu as fait direct là pour faire ce lourd comportement que tu as. Hein? Donc, actuellement où je vous parle là, il y a une collègue. Vous qui aimez casser les papos. Oh, j'ai les papos. J'ai tes papos. Les gens vous payent avec les 5 francs, 5 francs. Puis vous mettez votre vie en danger là. Évitons les histoires vivantes. Raison pour laquelle là. Moi, je préfère venir faire mon petit Congo ça. J'aime pas parler de quelqu'un. J'aime pas insulter les gens. Je n'aime pas dépasser la limite de ma bouche. Eh oui. Parce qu'il faut connaître la limite de ta bouche. Oh, Chondiel aussi est trop habillé, c'est quoi ça? Comment pourquoi j'ai chaud là? Hein? Elle a oublié elle-même sa propre vie. Je sais, le jour qu'elle était connectée là, il y a combien de personnes qui la suivaient? Elle était presque à 30 000 personnes.
Dans le Congo, ça, les gens activés, comment les abonner? Il faut parler. Hé, hey, moi je suis ceci. Il faut parler. Et ça, en parlons aujourd'hui là. Et ça, en trop, c'est trop. Et ça, la ninga là. Hé, hey, maman, yaya. Et ça, bien. Fallait n'ailleurs, fallait n'ailleurs. Et ça, là. Hé! J'ai dit, hein. Le vu là, ça monte comme ça. Yo, 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 yo. L'attentif là. Non! Non! C'est conseil pour tout le monde, hein. C'est un conseil pour tout le monde. Je ne sais pas, je suis pas en train de parler pour tout le monde. Hein. Je parle pour tout le monde. Même moi-même là, je ne suis pas dedans, mais je parle pour tout le monde quand même. Parlons-nous vivants. Vous savez, j'aime parler. Parlons-nous vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Et la tête qui va avec. Donc, les gens encouragés, 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 encouragés. Bim! On dit la plainte là. Les gens disaient, oh, plainte là. Il a dit, hein. Il y a les plaintes qui sont sérieuses. Quand on est là, on dit, oh, plainte là, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller nulle part là. Actuellement, les plaintes, plaintes de l'autre tante là, hein, ma collègue, comme cela, comme moi là. Plainte là, faut pas, on ne va pas prendre ça au sérieux, on va prendre ça amusément. Hein? Faut pas prendre ça, voilà, amusement là. On dit non que c'est truc de Facebook, nanani nanana. Voilà la tante, on dit, ah, tu vois où je vous parle, elle est encore à prison, hein. Elle est à prison. C'est pas amusement, hein. C'est pas amusement. Vous voyez, vous les blogueuses congolaises, ou bien congolais là, hein. On dit le français c'est international. Le français, c'est international. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls sur Facebook. On sait très bien que Nicolas, là, c'est pour vous. Mais quand vous venez parler devant le monde entier, quand vous allumez votre caméra, là, parlez le français. Comme ça, quand il y a un problème, là, au moins, là, on sait qu'on peut être témoin pour venir vous défendre. Mais vous savez parler en Nicolas. Bon, nous, on va venir défendre. On va commencer sur quoi? Parce que si c'était en français, au moins là, je sais où je vais me positionner pour parler. Mais c'est en lingala. Donc, ça là, bon, moi je vais faire mon affairage, hein, parce que ça nous concerne nous tous. Voilà, c'est nous tous les affaires, nous les blogueurs, ça nous concerne. Eh oui. Donc, moi je suis même tombée au milieu là, je ne sais pas. Et voilà. C'est que moi j'ai retenu là. C'est plainte là, c'est plainte qu'ils ont écrit en français. Prison, ils ont écrit en français là que j'ai retenu. Donc, vous qui aimez casser les papos des gens, j'ai ton papo, les gens viennent vous payer. On dit diffamation. Diffamation là. Quand vous entendez le mot diffamation, il ne faut pas diffamer quelque chose que tu n'as pas vu. Madame, est-ce que vous étiez présente? Non. Is not me present. Est-ce que vous étiez là? Non. Hein? Nous les blogueurs ivoiriens là, on a fini avec cassement des papos. Vous avez vu? Ah! C'est entre les Congolaises là-bas, hein? Quand ça arrive chez nous, les Ivoiriens là, c'est la famille, vous avez vu? Affaire de cassement de papeau. Affaire de cassement de papeau. Vous voyez les retombées. Aujourd'hui, là, voici notre collègue. Elle n'a même pas donné à côté de son mari, hein? Elle est seule là-bas. Il n'y a pas ses abonnés qui l'encouragent. Les abonnés là. Attends. Les abonnés là, ils vous encouragent. Quand vous voyez les vues, moi, actuellement, il y a 83 000 vues. Hein? Moi, je m'en fous. J'ai fini de m'embrouiller, je quitte là. Hein? Parfois, quand on regarde les vues là, on est excité jusqu'à un endroit pour d'un poil. On dira pour d'un poil, on est excité comme ça. Oh, je suis suivi, oh, j'ai ceci. Aujourd'hui, elle est toute seule derrière les fers là-bas. Elle n'est pas avec ses abonnés qui l'encourageaient. Hein? Elle n'est pas avec ses abonnés. Sarah Manteau là. Sarah Manteau là n'est pas. Ah, c'est Sarah Manteau là, mais c'est Stoll. Sarah Manteau là. Eh, là, on va doucement, un nom des gens. Ils vont t'envoyer plainte ici là. Voilà Sarah Manteau là. Elles en sont seules dans la prison d'Ayo. Et ça n'a seul dans prison Nayo. Et ça n'a abonné. Et ça n'a vie. Et ça n'a cœur. Non seul. Elle est seule là-bas. Vous allez, ils vont rester dehors là pour crier. Eh, eh. Justice, justice. Pendant ce temps-là, tu es seul dans prison là-bas. Et puis, il dit,
Arrêtez de me créer les problèmes ici. Évitons les problèmes vivants. C'est ça. Hein? Un instant, hein, j'arrive. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez le cœur. Les gens qui disent que plainte là, ça ne va nulle part. Ça n'ira nulle part. Ici en France là, les choses de Facebook, André, elle c'est en Afrique là-bas. Hein? En Afrique, elle n'est pas en Europe ici. C'est en Afrique là-bas. En plus là, Fally c'est pas un petit quelqu'un. Un grand homme comme Fally, il ne va pas porter plainte contre toi, puis ça va taper poteau pour dire que ça ne va pas aller quelque part. Hein? Maintenant, vous, les stars, quand vous avez votre vie privée sur Facebook, là, c'est pour que vous voulez qu'on en parle. Quand vous savez que c'est votre vie privée, là, mais n'amenez pas ça dans la bouche, nous, on est là pour les affairages. Hein? Quand vous avez vos histoires, là, n'amenez pas ça sur les réseaux sociaux. Quand vous amenez ça sur les réseaux sociaux, là, nous, les affaires, là, on va mettre qui marche de n'importe ça prend. Pourquoi vous faites ça? Donc, affaire là, mon cher, affaire là, nous on comprend rien dedans. Mais les blogueuses là, on n'a qu'à savoir maîtriser notre bouche. Oh. Mm. On n'a qu'à savoir maîtriser notre bouche. Vous avez vu à quoi le Congo ça là? Hein? À quoi le Congo ça? C'est venu m'asseoir comme ça pour m'affirmer. C'est nous toujours, on n'a pas peur des gens. Les gens rentrent en contact pour aller détruire les gens là, on est premier. Hein? On est premier à les détruire. Quand on dit, tiens, va détruire telle personne là. Voilà, on court comme ça. Et hey, aujourd'hui là, parce que quand tu dis, j'ai les papos, les gens sont là, j'ai les dangereux papos. Hé, hey, venez, il y a les papos de telle personne. Ça court parce que les gens aiment, oui, il y a les papos. Ça vient. Et toi aussi, tu es là, tu parles. Sans même penser à toi. Et demain, quand tu es dans le problème là, et ils vont s'asseoir seulement chez eux à la maison. Hein. Ils vont s'asseoir chez eux à la maison pour dire, hey, sois forte, courage ma chérie. C'est que s'il y a un Dieu pour les innocents, ma chérie, on est de cœur avec toi. Pendant qu'ils sont en train de manger un foutou avec sauce grecque. Pendant qu'ils sont couchés dans le bras de leur chérie. Et toi, tu es là-bas, tu souffres. Et ils vont te dire, il y a pas seulement derrière l'écran. En tout cas, soit fait, soit photo, justice. Ah, tu me sens en train de crier, justice pour Sarah Tola. Hein? Justice pour Sarah Tola. Ça fait combien de jours maintenant même? Peut-être deux jours. Depuis, ils sont en train de crier justice. Nous, on se met dans les problèmes. Tu as laissé ton mari, tu as laissé tes enfants à cause de vie de Facebook. Travaille sans salaire, la personne va te donner 100 euros. La personne va te donner 100 euros pour dire pardon, il faut aller détruire telle personne, va faire mon palabre. Et toi aussi, tu cours. Hein? Tu cours comme ça. Quand tu gagnes 100 euros, tu dis oh, j'ai beaucoup gagné. On vous dit d'aller travailler. N'attendez pas qu'on vienne vous donner 100 euros. On vient vous donner 100 euros pour aller détruire quelqu'un. Hein? On vous dit allez-y travailler. Ben, 100 euros vont te donner là. Des 100 euros vont te donner, ça ne te suffit pas. Et toi, tu mets ta vie en jeu. Et quand ça va se gâter là, c'est toi, ils vont prendre. La personne là sera allongée dans son lit. C'est pour cela, quand il y a affairage là, on dit de parler doucement. Moi, je parlais doucement, je sais que affaire là, c'est un lourd dossier. Moi, je parlais dessus et puis il a pris mon chemin et s'est quitté là. Mais dossier de famille là, c'est pas un dossier des enfants. C'est pas un dossier où tu vas te concentrer dessus. Ce n'est pas un dossier où tu as un truc. Quand votre Fally et puis maman mayonnaise se croisaient là, nous les papatons, on vient crier là, on était là. On n'était pas là. Eh oui. Eh l'oba, c'est ma ferrage d'elle. Voilà. On n'était pas là. Donc on ne va pas charger à faire là. C'est-à-dire qu'on glisse dessus et puis on continue. Mais tellement elle a tous les dossiers là, Adama.
Voilà aujourd'hui, hein, la dame elle est en prison, c'est une femme mariée en plus, hein, elle est mariée, elle a les enfants. Une mère de famille, je vous dis, hein, une mère de famille, une maman. Une maman. Aujourd'hui, là, elle est en prison. Histoire de Facebook, on dit, oh, c'est Facebook, ça n'ira nulle part. Mais elle est en prison. Adama. Donc là, on n'est qu'à contrôler nos langages. Affaire de Facebook, là, on n'est qu'à contrôler. Actuellement, ici, concentré sur la plainte. Depuis tout. Plainte, là, ça serait plainté. Ah, ça serait plainté. En tout cas, ça serait plainté. Plaintons-nous vivants. Mais malheureusement, elle, on ne la connaît pas, donc on ne sait pas comment ils vont la défendre. On ne la connaît pas. Parce que tout, c'est en lingala. C'est bien, la langue, c'est bien. Mais lorsque vous êtes devant le public, on ne vous dit pas de ne pas parler lingala. On ne vous dit pas de ne pas parler lingala. Mais quand il y a des choses, il y a les dossiers très, très importants, il y a des affaires très, très importantes, parlez au moins en français. Parce qu'on ne sait pas où le malheur va frapper. C'est pour cela, lorsqu'on vient s'asseoir, on fait un effort de parler. Même si tu ne comprends pas français, même si tu bricoles là, c'est qu'est-ce que les gens vont te comprendre. Mais tout ça en lingala. Et maintenant, là, voici le problème. Comment les gens vont te défendre? Parce qu'il faudrait qu'ils écoutent ce que tu as dit. Si moi, j'avais écouté tes dits là-haut, j'allais venir décortiquer. Voilà. J'allais venir décortiquer. Peut-être quand les gens vont écouter, ils vont dire, ah, mais elle n'a pas dit quelque chose de mauvais. Elle n'a pas parlé quelque chose de grave. Voilà. Elle ne fait que faire son boulot. Elle n'a rien dit de mal. Ok. Hein? Ok. Mais tout c'est en lingala. Non, ça dépend comment. Hein? Et quand vous, les gens, c'est-à-dire que parfois quand les gens vous parlent, quand les gens nous parlent, on n'écoute pas. Quand on a les paroles, on est tellement inspiré. Parce qu'on sait que, hein? On est dedans. De la manière qu'il dit de la porter plainte. Si elle avait peut-être demandé pardon là, peut-être l'allait laisser. Mais tellement que les gens vont se donner un genre. Hein? On va se donner un genre, faire gros dos. On fait gros dos. Oh, ça là, ça va pas aller quelque part. Peut-être que quand elle a reçu la convocation, elle a dit à ses fans, ils ont dit, oh maman, Yaya, Eza n'a nulle part. Eza n'a plainte, Nayo n'a nulle part. Ne t'inquiète pas, maman. Eza plainte là, c'est zéro. Voilà. C'est gâté. Donc, famille, c'est pour vous dire que nous avons l'une de nos collègues qui est en prison pour diffamation. Voilà. Si Fali, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, elle a frappé fort. Elle a mis bim. Elle a mis bim. Elle a traumatisé le grand Fali. Elle a traumatisé. Aïe. On peut traumatiser quelqu'un comme ça. C'est vous toujours, on fait diffamation sur vous. C'est vous toujours, les gens font diffamation. Vous allez fermer, peut-être que la fille arrête ce qu'elle a dit. Peut-être qu'elle est dans le stade, qu'elle est sur la vérité. Mais comme c'est une star là, on va parler doucement. Comme c'est une star là, ils ne vont pas considérer elle sa parole. Ils vont dire non, qu'elle a diffamé. Elle a fait diffamation. Hein? Elle a fait diffamation. Attendez. Bon, moi, c'était juste ma petite vidéo. Maintenant, je fais plus longue vidéo. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, pardonnez de grâce.
La prochaine fois, si vous faites mes publications là, évitez de faire les lourds commentaires. Je n'aime pas parler. Avec vous, on dit qu'il y a prison dedans là. Avec vous, on dit qu'il y a prison dedans. Petit amusement de Facebook où on met les gens en prison là, pardonnez. Petit amusement de Facebook où on vient, hein, on vient parler à faire, on dit qu'il y a prison dedans. Si, ils ont déjà arrêté une. Demain au suivant là, Adama. Afin de papou là, parce qu'il y a son papou là, gardez-moi vos papou là-bas. Vous avez compris. Famille, viens aussi à la cuisine là. Voilà. Donc, en tout cas, c'est science. Voilà, l'erreur est humaine. Voilà, l'erreur est humaine. Pour une première fois, on pardonne. Ah, fallait toi aussi. Ah. Pour une première fois, là, on pardonne. On dit l'erreur est humaine. Donc, tu devais science. Mais c'est qu'elle a fait fort. C'est que la fille, là, elle a fait tellement fort. Elle a fait tellement fort que même ça l'a piqué. Ça l'a piqué, ça veut dire qu'elle est rentrée boulée. C'est ça, Ivoirien dit. Elle a mis bima. C'est qu'elle a fait fort. Elle a fait fort. Mais il lui a porté plainte contre sa femme là-haut. C'est pas son ex qui va mettre en prison. Pourquoi c'est l'autre qui met en prison? Aïe. Il a porté plainte contre sa femme, non? Hein? Mais c'est ce qu'elle a bon, insulté jusqu'à. Tu peux t'attaquer au monsieur. Hein? Elle pouvait s'attaquer au monsieur, mais jusqu'à aller même à insulter les enfants aussi, c'est pas bien. Parce que les enfants sont innocents, les enfants sont pas dans les bêtises en fait. Voilà, tu t'attaques au monsieur parce que c'est le monsieur qui est. C'est lui le responsable. C'est lui qui est fautif, c'est lui le problème. Les enfants, ils ont quoi à voir dedans? Les enfants n'ont rien à voir dedans. Voilà, les enfants n'ont rien à voir. Mais si tu vas t'attaquer aux enfants, hein? Parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas qu'on touche à l'enfant, hein? L'enfant là, c'est trésor. Hein? L'enfant, les enfants là sont les trésors. Hey! Affaire de blogueuse là. Travail même qu'il n'y a pas, truc même qu'il n'y a pas salaire dedans. Truc, mais on vient se distraire un peu là. La chose qu'on vient se distraire un peu encore là. Vous allez, on a pris ça pour chercher sur notre tête. Détruire la vie des gens. Non, toi, j'ai des loups, papa. Tu vas aller détruire la vie de telle personne. Aller faire ceci. On n'est qu'à doser. Dosons vivants. Et évitons les problèmes. Évitons. On peut faire le Congo ça, mais le Congo ça légère en fait. Hein? Le Congo ça légère. Adama. Bon, moi je vais faire une petite sieste là. Je vais devoir vous laisser. C'était juste une petite vidéo. Et puis courage à toi, notre collègue Sarah Tola. Courage à toi. Et peut-être que ça va te servir de leçon. Ça va aussi nous servir de leçon. Ça va servir de leçon aux autres blogueuses, que ce soit blogueuses ivoiriennes, que ce soit les blogueurs congolais, les blogueurs. Ça va servir de leçon à tous les blogueurs. Quand elle va sortir de la prison là, peut-être elle va faire 2 jours, bien 3 jours, quand elle va sortir dedans là, même si quelqu'un même l'envoie, les papos là va dire non, je ne suis pas dans ça. Quand quelqu'un va dire non, j'ai un dossier, je veux que tu traites ce dossier là, elle va refuser. Elle va refuser. Parce qu'affaire de cassement de papos. Afin de dire, j'ai papa de telle personne, j'ai ton dossier. Il dit, si prison n'est pas sortie dans ça, là, les gens ne vont pas arrêter. Si prison n'est pas sortie d'affaire de j'ai ton papa. Hein? Voici notre collègue, notre soeur.
dans l'histoire de leur mariage, là, il paraît que même là, on les a menacés de mort ou qu'on lui a menacé de mort. Vous voyez les trucs comme ça? Hein? Histoire qu'on dit à menace de mort, là. Parce que dans la vie, là, on ne sait pas qui est contre toi. Tu peux être en train de marcher comme ça, peut-être qu'ils vont mettre les gens. Tu vois, ils vont donner ta photo aux gens. Tu vois telle personne. Tu vois ce qu'elle a fait, elle a fait. Les gens vont te suivre de près. Ils vont te suivre de près. Et quelque chose va t'arriver. Sarah Tola est en tôle. Elle est en tôle. Oui, c'est ça. Elle est en tôle. Hmm? Il y a notre collègue là. Il paraît qu'ils l'ont menacé de mort. Dans l'histoire de mariage cassement de papo. Dans l'histoire de mariage cassement de papo là. Ils l'ont menacé de mort. Vous voyez les trucs comme ça? Hein? Vous voyez les trucs comme ça? Ah, on dit elle a trop exagéré. Qu'elle doit assumer. Parfois aussi, quand on est inspiré comme cela là, on ne regarde pas ce que on ne pense pas au demain. Hein? Tu peux parler, mais pas trop. C'est pas tous les injures qu'il faut rentrer en profondeur. Aujourd'hui, voici les retombées. Moi, je vais vous laisser bientôt. Hein. À 16h, je vous laisse. Mais soyons, on dit, solidarité féminisme. Voilà. Solidarité féministe. Donc, soyons solidaires. Il faut qu'on demande justice pour Sarah Tola. Hein? Il faudrait qu'on demande justice pour Sarah Tola. Il doit la libérer. Voilà. Il doit la libérer. On doit demander justice pour Sarah Tola. Voilà. Non, mais l'autre, bon, on dit chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Tu ne peux pas parler à une personne mille fois. On dit le conseiller de l'homme même là, c'est lui-même. Le conseiller de l'homme lui-même là, c'est lui-même. C'est pas quelqu'un qui va te donner conseil. C'est pas quelqu'un qui va te donner conseil. Hein? C'est pas quelqu'un qui va. Tu peux, on peut s'affairer, mais on doit être bref dans nos affairages. Mais jusqu'à aller rentrer dans la vie privée, décortiquer la vie de la personne. Rentrer dans sa vie privée, décortiquer, rentrer même dans ses enfants, décortiquer, mais c'est quand même un peu exagéré en fait. Hein? C'est quand même un peu exagéré. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu vas parler, oh, toi tu n'as pas de vue, toi tu n'as pas de vue. Quand on regarde les vues là, c'est les vues là qui nous mettent dans les problèmes. C'est les vues là qui nous mettent dans les problèmes. Hein? C'est les vues là qui nous mettent dans les problèmes. Maintenant, elle doit reconnaître ses erreurs et puis elle demande pardon. C'est rien. Ah, on dit à l'autre blogueur, ils ont demandé à Sarah Tola d'arrêter et elle a continué. Ah, c'est elle-même qui a cherché parce que quand on te dit d'arrêter, il faut écouter les gens. Donc, on lui a dit d'arrêter et puis elle, comme elle a le lourd dossier là, elle n'a pas arrêté, elle a continué. Donc, ce sont les retombées maintenant. Ah, parfois, quand on nous dit d'arrêter, on dit, oh, ce soir là, j'ai le lourd papo là. Je les loue pas. Dès que j'allume mon téléphone, je serai au moins de 1500 personnes qui me regardent. Mais tu vas faire quoi avec les vues là? Qu'est-ce qu'on va faire avec les vues là? Les vues là, on va faire quoi ça? Le mois fini, on ne va même pas te payer. Tu ne vois pas l'argent des vues là. Pourtant, tu détruis ta vie. Aujourd'hui,
Tu as peur qu'on me menace de mort. Hey. Mais quand tu viens t'asseoir devant ton écran et puis tu casses les papos de la personne et puis tu dis ça, c'est la vie de la personne là. Mais c'est de salir en fait l'image de la personne. Donc, la personne. Ah! En tout cas, c'est ça. Bon, moi je vous fais plein de bisous. Ciao! Donc, on doit se revoir. Faisons affairage là. Doucement. Afférons-nous, mais doucement. Ok? Donc, les Congolais, en tout cas, réglez votre histoire là en Lingala là-bas. Réglez votre histoire en Lingala parce que nous, on ne sait pas comment est-ce qu'on veut faire Congo ça dans ça. Voilà, c'est pour cela. Parfois, parler français, c'était bon. On dit quoi ici? Ah? Bon, je vais lire les commentaires. Bon, je vais lire. Hein? De bronze jaguar. Lova, je lis. Hein? Lova, Sarah a reçu de Western Union des gens en Europe qui l'insistaient à ne pas laisser ce dossier et elle aussi insensée qu'elle est. Ah, c'est trop long, je ne peux pas tout lire. Donc, ah, dans l'histoire, il y a l'argent dedans, hein. Ah, quand tu mailles l'argent là aussi, là, tu as fini de mailler l'argent là, et puis toi, tu es en prison là-bas, il y a les commentaires. Benirak, Loïlia, nanani, nanana, oh là 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 là. Ah! Mais quelqu'un qui reçoit les zéros, Adama, ma chérie, toi, tu es en Afrique, et puis tu fais Congo ça en Europe aussi. Et puis on t'envoie les zéros. On t'envoie l'argent. On t'envoie les 100 000, les 200 000 pour dire qu'il ne faut pas laisser à faire là. Il faut parler à Dama. Maintenant, celle qui l'a envoyé l'argent là, ils n'ont qu'à faire une vidéo pour dire que pour aller la libérer. Ah! Hein? Ils n'ont qu'à parler, mais ils vont la libérer. Et ils sont assez peinards. Hein? Ils sont assis peinards. Et puis maintenant, c'est elle maintenant, elle a dormi là-bas. Deux jours, trois jours, en train de manger benzin. En train de manger benzin. Hey! Afin de louer papo là, il y a l'argent dedans. Vous pensez que les gens qui vient casser papo là, elle est venue faire un cadeau. Il y a envie de vous laisser, mais l'affaire devient intéressante. Quand quelqu'un te dit, je te loue papo là, c'est pas gratuit. C'est l'argent. On les paye pour aller détruire quelqu'un. C'est payé. Ah. Et toi, quand tu finis de détruire maintenant, là, ton sommeil est perturbé la nuit. Eh, laissez ma tête là, il y a quoi? Je vous donne deux semaines, vous allez voir, cheveux va revenir. Aïe. Si ces cheveux-là, ne vous inquiétez pas. Bim, seulement deux semaines, là, vous allez voir, cheveux en place. C'est de ça qu'il s'agit. Souffrez de ma tête. Je lis les commentaires. Coucou. Oui. Donc, on va laisser le dossier dans la main des Congolais. Ils vont se débrouiller là-bas entre eux. Ils vont se débrouiller là-bas, mon cher. C'est ça qui s'agit. Ils n'ont qu'à se débrouiller dans leur Congo, ça. Parce que tu ne vas pas aller suivre un direct d'un blogueur congolais, puis ils ne vont pas parler français. Et puis ils vont parler français. Tout c'est en Lingala. Ah ouais? Bon, moi je n'ai fini, moi je vous laisse. Affaire là, mon cher. Et quand c'est comme ça, vous êtes là, ça va interpeller les bloqueurs. C'est pas vous qui activez le feu qu'on en direct là. Hein? C'est pas vous les bloqueurs là. Et vous, nos amis là, qui activez le feu quand on est en direct. Non, il faut parler. Et vous envoyez, il n'y a pas de telle personne, c'est pas vous qui nous encouragez. Maintenant, quand ça chauffe là, vous nous laissez. Quand ça chauffe là, vous nous laissez en chemin. Pourquoi? Pourquoi vous avez un lourd comportement comme ça? Hein? Pourquoi vous avez un lourd comportement comme ça? Quand ça chauffe,
C'est-à-dire que vous activez le feu, vous êtes là, il faut parler. Il ne faut pas laisser un affaire sale. Il ne faut même pas laisser. J'ai des loups, 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 loups comme ça. Maintenant, quand il y a affaire maintenant, vous fuyez pour nous laisser, vous nous laissez dans le Congo ça. On peut avoir un loup comportement comme ça. Vous aussi, vous avez un loup comportement. C'est vous qui nous encouragez. Hein? Vous qui nous encouragez. Eh, j'ai partagé dans 30 groupes. J'ai partagé dans 40 groupes. Eh, il faut jaser. Il ne faut pas laisser. Hein? Il faut casser le papa même. Il faut dire à dame. Et quand ça chauffe là, vous disparaissez. On ne vous voit plus. Pourquoi ça, vous avez un loup comportement comme ça? Hein? C'est quoi ça? Moi je vous ai dit, hein, moi je fais mes vidéos comme ça. Je fais mes congos ça à basse classe. Après on dit non, c'est pas bien de parler au gros français. Parce que quand tu parles gros français là, c'est pas bon. C'est mieux là. Faut parler ton français terre à terre. Français terre à terre. Mais c'est toi, tu es en train de faire congos ça, tu veux parler au gros français. Voici les retombées de gros français. Bon, ciao, je vous laisse.